C'était le 14 mars 2015. C'était il y a combien? 5 ans? Ouais, c'est bien, tu sais compter. 5 ans. Et c'était cool. C'était à Bordeaux. La plus marquante sur scène, c'est quand j'ai gagné le Campus Comedy Tour en 2017 à la Cigale à Paris devant 800 personnes et c'était trop bien. C'était en 2013, à l'occasion d'une première scène où j'avais rejoint en fait un groupe de gens qui faisaient du stand-up. Enfin, je leur avais demandé si je pouvais les rejoindre dans leur crew là, et puis ils faisaient des petites scènes à droite à gauche, c'était au Mexique. J'étais au Café Oscar à Paris, j'ai joué 6 minutes, je tremblais beaucoup de la jambe, je parlais très vite. J'ai un petit peu un blackout en fait, j'étais très stressée. Je me souviens surtout du moment d'après qui était trop cool parce que j'étais trop contente d'être arrivée au bout. Mais je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça un bon moment. J'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 16 ans, on faisait du théâtre de rue. Et on a monté des tréteaux et des planches sur la place centrale de mon petit village de Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence. C'était pendant les grandes vacances et ça a été incroyable. Je n'avais pas vu mon potentiel comique à ce point-là. C'était très très chouette et un très beau souvenir. J'avais des potes en fait qui m'avaient inscrit sur une scène à Genève par surprise. Et vu que j'avais peur de jouer à Genève et j'avais peur du bide et que des gens me reconnaissent dans la salle, j'ai dit ok, je relève le défi mais je vais à Lausanne. À Lausanne, je partage ma première scène avec Marina Rollman pour qui c'était aussi sa première scène. Et elle aujourd'hui cartonne et moi je... voilà. C'était au Point Virgule et c'était le concours du tremplin. Je connaissais pas du tout le réseau des scènes ouvertes et des plateaux à Paris et j'étais juste au courant que le Point Virgule organisait ce plateau, cette audition, et donc j'y suis allée. Ma première scène, c'était à New York, dans un club qui s'appelle Caroline's Comedy Club. Quand j'avais 17 ans, je montais sur scène pour la première fois avec 5 minutes chrono. C'était dans un comedy club à Bruxelles. C'était très maladroit, pas humiliant, mais pas non plus brillant.